Salut, bienvenue à tous sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en extérieur pour faire des photos animalières et je vais en profiter en même temps pour vous faire le retour du sac Lowepro que j'emmène partout avec moi. Je cherchais un sac parce que j'emmène, quand je pars en photo animalière, j'emmène le drone, j'emmène le trépied, j'emmène mes appareils photo, j'emmène une tonne de matos. Et le seul problème c'est que j'avais marre de me traîner avec deux sacs et plus le trépied, plus tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce sac Lowepro parce qu'il est super. Vous pouvez partir en voyage, il a des poches de partout. Là, il y a des sangles de partout. Vous pouvez mettre les sangles que je dois avoir quelque part par là. Voilà, c'est des sangles que vous pouvez attacher n'importe quoi dessus. Vous pouvez les glisser dessus. Hop, vous fermez. Vous pouvez fermer avec les sangles là. Vous êtes tranquille, vous pouvez mettre un trépied devant, vous pouvez mettre n'importe quoi dessus. Donc c'est des sangles qui sont très pratiques. Moi je les garde à l'intérieur, ils sont toujours dans mon sac, je les mets dans une pochette et quand j'en ai besoin, ben, quand je mets le trépied devant ou en dessous, et ben, je les sors et puis comme ça, j'ai tout sous la main. Donc c'est un sac qui est très pratique. Parce que vous avez ici l'ouverture, et ce que je cherche aussi, l'ouverture pour l'appareil photo. Hop, vous avez envie de faire une photo, vous voyez quelque chose, vous avez juste à ouvrir, vous sortez l'appareil, paf, vous prenez votre photo, vous le rangez. C'est pour ça. Et de l'autre côté, il y a le deuxième pareil, pour mettre un deuxième appareil photo de l'autre côté. Oh, vraiment, il est très pratique parce qu'en plus, il se porte bien. Les sangles sont super confortables. On a des rembourrages de partout. Le sac est rembourré, donc votre matos, il craint trop rien. On a des pochettes au-dessus. Moi, j'ai des batteries, j'ai tout à l'intérieur. Ici, soit vous pouvez faire comme moi. Moi, j'ai mis le drone ici pour que ce soit plus rapide. Je le prends, je fais mes plans. Ici, vous avez des pochettes. Là, j'ai mes batteries pour l'appareil photo. Ici, j'ai le DJI Mini Pro 3. Donc, j'ai juste à le prendre. Je le sors. Je sors ce que j'ai besoin. Je les ai mis dans les pochettes pour protéger. Ici, c'est la télécommande. Voilà. Si j'ai besoin, je sors. Hop. Je me sers de mon drone et puis je remballe tout. Ça, c'est une pochette qui est livrée avec le sac. Vous pouvez même, si vous voulez avoir un peu plus de place, vous pouvez la scratcher à l'avant et sur les côtés. Hop. Ici, c'est le drone. Voilà, pareil. Moi, si j'ai envie de mettre un peu plus de place là pour mettre 2 ou 3 affaires, un kawaii, un poncho, n'importe quoi, j'accroche ça devant. Et comme ça, je les ai tout de suite sous la main. Voilà le sac par-dessus. Donc vous pouvez récupérer aussi votre appareil photo si vous ouvrez tout par l'intérieur. Le drone aussi. Ici, moi j'ai mon stabilisateur, j'ai les batteries, j'ai le micro pour le portable. Après, sur la face qui se ferme, vous avez des pochettes ici de partout. Ici, j'ai tout le matériel pour le drone. Voilà. Et ici, vous avez une fermeture et vous pouvez mettre votre ordinateur. Donc je crois que ça va jusqu'au 15 pouces, je crois. Le sac fait environ 45 litres, donc vraiment pratique. Quand vous avez fini, vous fermez. Non, c'est franchement c'est un sac qui est vraiment très très pratique. Si vous avez besoin d'un sac. Moi, ce sac-là, eh ben, écoutez, je le traîne partout. Partout où je vais, je le traîne avec moi. Il est vraiment pratique, vous fermez tout. Si vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'intérieur, vous fermez le sac. Vous avez des sangles aussi en dessous, ici. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Ici, vous avez le cache avec la bonnette anti-pluie que vous pouvez glisser dessus. Il se nettoie bien. Un coup de chiffon, un coup d'éponge Et c'est reparti pour un tour. C'est vrai que c'est un sac qui est vraiment très très pratique. Il se porte bien, il se tient bien sur le dos. Franchement, si vous avez besoin d'un sac pour emmener partout tout votre matos et pas avoir 50 matos à traîner, et bien c'est un sac, franchement, Lowepro, moi j'en suis très très content. C'est un sac que j'ai pris chez Digiphoto. Je l'ai commandé directement, c'est une boîte, c'est un magasin à Metz. Si vous voulez voir sur place, ils ont plein d'autres sacs aussi. Mais c'est vrai que ce sac Lowepro, il est vraiment très très pratique avec toutes les poches et tout. Ici, vous avez aussi des poches aussi sur la sangle pour ranger, si vous avez des choses à ranger dedans. Franchement, vous avez quoi en ranger. De l'autre côté, pareil. Vous avez la même pochette, vous pouvez accrocher n'importe quoi dessus. Franchement, il faut que je voie pour une attache, moi, pour mettre mon appareil photo directement sur la sangle. Comme ça, quand j'ai besoin de photographier, je le prends, je retire directement. Je sais qu'il existe des attaches pour les appareils photo, il faut que je regarde ça. Mais franchement... Vous pouvez traîner deux appareils photo, des objectifs dedans. Et il est franchement très 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 cool à porter. Dedans j'ai mes appareils photo, j'ai tout dedans. C'est vraiment un sac très très pratique. Hein. Franchement, j'en avais un autre avant qui était plus petit. Mais il fallait que je traîne le drone dans sa mallette, le sac, le trépied. Oh là là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Si vous voulez lâcher un petit pouce, vous lâchez un petit pouce, un petit commentaire, je vous répondrai sur le sac, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est un sac très utile. Moi, je l'emmène partout, je le traîne vraiment partout avec moi. Je ne regrette pas mon achat, il est vraiment super. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez les vidéos. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos, peut-être de voitures, peut-être de matériel. C'est une chaîne qui est ouverte. Vraiment à la photo, c'est un truc que je m'éclate dedans. Donc c'est ouverte à la photo, matériel, aux voitures, on verra comment on va partir la chaîne. Mais pour l'instant, voilà, je vous propose que sur les endroits où je m'éclate et que j'ai envie de vous proposer en vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.